Salut à tous, c'est Noxferan, on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild. La dernière fois, on a complété le deuxième challenge des prodiges, celui de Mipha, la princesse Zora pour être plus précis. On a encore une fois fait quelques sanctuaires tournant autour du thème de l'eau et des énigmes. Et on a revaincu l'ombre de l'eau de Ganon avec la célèbre lance à deux mains de Mipha et autre chose. Merci Revali, mais toi c'était déjà dans l'épisode précédent qu'on t'avait fait Revali, tu es en retard. Et du coup aujourd'hui on se retrouve au volcan d'Ordine évidemment. On voit la montagne de la mort avec, je ne sais pas trop comment le soleil fait pour briller à travers le volcan, mais c'est pas grave. On est donc près de notre troisième objectif pour aujourd'hui, avec évidemment Asarim qui nous regarde, mais aussi, avant de continuer, on va rappeler un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'est notre ami Link le Loup. Coucou Link le Loup. Bon, tu as toujours aussi peu de vie malheureusement. Mais bon, que voulez-vous, j'ai toujours pas pensé à améliorer sa santé. Il va nous accompagner pour aujourd'hui, ça nous fera un petit peu de changement. Et du coup, on va revoir cette nouvelle, ou c'est encore une fois une même cinématique. Vu qu'on peut les faire dans n'importe quel ordre, il n'y a pas vraiment de raison que les cinématiques soient différentes. On a donc deux nouveaux emplacements d'épreuves qui vont faire apparaître des sanctuaires qui nous donneront des emblèmes pour qu'on puisse battre un troisième boss et obtenir une troisième amélioration. Vous connaissez le principe, hein, depuis. Alors, on en a un au sommet du volcan, on dirait. C'est le seul que je vais voir et je ne peux rien passer d'autre. D'accord. Donc, je ne sais pas trop si notre cher ami Link Lou va nous aider pour les épreuves qui suivent, mais bon, autant avoir un petit peu de compagnie. Ce monument de pierre est vieux de 10 000 ans. Son sens s'est évanoui et emporté par le temps. Salut Azarim. Que vois-je, un voyageur? Quel tableau peu commun. Ces contrées sont bien rudes pour qui s'en vient de loin. Ainsi donc, la chaleur ne te dérange pas? Pardonne ma question, je m'inquiète pour toi. Mais comment toi, ça te dérange pas plutôt? À moins qu'il ne s'agisse d'une quelconque astuce? T'es-tu oint toi aussi d'un remède ignifus? Même pas. C'est donc comme ça que tu résistes alors. Ça alors, quel exploit, quelle force de la nature! Tu égales les gorons face aux températures. Je ne puis pour ma part supporter cette chaleur sans du poulet rôti arborer les couleurs. Oui, c'est ce que je me disais. Mais je dois t'ennuyer, assez parlé de moi. Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Je pourrais t'entendre parler de toi toute la journée, mon ami. Regarde donc plutôt, ils sont là, comme avant, les piliers que mon maître mentionnait dans son chant. Effectivement. Mon maître a dû errer lui aussi en ces lieux pour imprégner ses vers et pour les tourner mieux. L'épreuve de Daruk fait l'objet d'un couplet composé par mon maître. Je vais te le chanter. Au brûlant rue d'Anya, dans le cratère tapis, le prodige des flammes veut insuffler la vie. Pour accroître sa force, une voix l'envoie vers les sites qui se dessinent sur les piliers de pierre. Va, du brûlant colosse, affronter la colère. Va, suivre le chemin des anneaux du cratère. Et de fouler la lave, découvre la manière. Ton courage invincible, qui ici t'a mené, par la dernière épreuve, se verra éprouvé. Alors, qu'as-tu pensé de la voix de mon maître? Admirable, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître. J'apprends sur les prodiges, ma foi, de plus en plus. À les connaître mieux, tu me vois résolu. Encore quelques efforts, et je serai pas en passe d'écrire ce couplet de manière efficace. C'était il y a 100 ans, mais aujourd'hui encore, la bravoure du prodige battrait tous les records. Toujours mon maître a dit que pour écrire un chant, il fallait voyager et rencontrer les gens. Ce principe, je l'ai mis en application, et je me suis rendu au village des Gorons. J'ai appris des histoires par le jeune Yunobo, d'autres encore par son chef, le vigoureux Buldo. Ces récits partagés m'ont touché jusqu'à l'âme. De mon couplet manquant, ils formeront la trame. Eh, merci. C'est toujours un plaisir de t'écouter, Azarim. Ainsi que toutes tes rimes. Toutes tes rimes. Azarim, rime. Oui, ça doit être pour ça qu'il s'appelle comme ça. Alors, bonjour Link Lou, tu es magnifique, comme d'habitude. Je devrais peut-être te... Oh, t'es une belle bouille. T'es une belle bouille. Oui, t'es une belle bouille. Oh non, non, là t'es pas content là. Voilà, là tu fais un beau... Voilà. T'as un grand sourire. Je l'avais pas pris en photo, il fallait bien quand même.
Alors, une au sommet du cratère, du coup. On va en poser une balise, juste là, j'ai envie de dire. Ça a l'air d'être le pic. On va mettre un là. Balise rouge sur un fond rouge, c'est pas très bien, mais bon. Alors, celle-là, elle a l'air d'être au nord de sources chaudes. Pas loin du volcan, mine de rien. Ok. Donc, un peu à la frontière entre le volcan et les sources chaudes, ça devrait être l'étang de Morc. Donc, je sais pas exactement où dans l'étang de Morc, mais ça va être là. Un peu vers la gauche, mais bon. Dernière étape. Dernière étape. Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je vois pas très bien. Ah, si. Ça, on reconnaît. C'est le. Il y a un sanctuaire dans ce crabe. Donc, attends, c'est où? C'est à droite du crabe. On passe un pic et demi à peu près. Un pic et demi. Donc, ça devrait être à peu près là. Quelque chose comme ça. Bon, on a nos balises, c'est comme d'habitude. On va donc pouvoir s'y diriger. Mais d'abord, on va faire un saut au village Goron, bien entendu. Quoique, j'ai peut-être même pas besoin de me téléporter là-bas. On va y aller en paravoile. Notre cher ami Link Loup devrait nous suivre, normalement. Il devrait se téléporter, puisque c'est un loup magique, après tout. Ouais, il faut donc qu'on aille parler à Yunobo, évidemment. Est-ce que j'avais parlé au prince Sidon, d'ailleurs, de Mipha? Je ne sais plus, sûrement. Quoique non, il y avait les deux en même temps. Je parlais au prince et au roi en même temps, donc c'est bon. En revanche, Yunobo, lui, il va être perché au sommet du village, juste au-dessus, là. En train de regarder la vue. Salut Yunobo. Link Loup a rejoint le monde auquel il appartient. Ah, ok, bon, c'est pas grave. Je le rappellerai plus tard. Hey, salut, belle matinée, pas vrai? Bienvenue dans ma cachette secrète. Ta cachette secrète, c'est un pont au milieu du village. Là, là, y a pas de meilleur endroit pour observer Rodania. Ah, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment impressionnant. Dire qu'on a affronté cette créature, j'en ai des frissons. Je me suis bien débrouillé, hein? Ouais, t'inquiète, c'était bien. Merci, j'ai essayé de rester brave. Et t'as réussi, je trouve. Tu sais quoi? On va faire de cet endroit notre lieu secret à tous les deux. Mais Yunobo, c'est un pont. Alors si tu veux encore admirer Rodania, n'hésite pas à revenir. Oh, est-ce que tu as besoin de moi? Parle-moi de Darouk, tiens. Que je te parle du grand Darouk? Ça alors, c'est amusant comme coïncidence. Figure-toi que je viens justement de découvrir son journal. Sans blague. Je peux te dire qu'il avait bon appétit et un goût très sûr pour sélectionner les meilleurs produits. Il parle aussi beaucoup d'un petit gars qui se défendait pas mal lui-même aux heures des repas. Je crois que si je veux m'étoffer un peu, je vais devoir commencer à engloutir comme un vrai goron. Un journal? Eh oui, je l'ai trouvé en déblayant un peu la mine abandonnée du nord, là où on s'est rencontrés, tu te souviens? Le journal du Grand Darouk est chez moi maintenant. C'est où chez toi déjà? Je pouvais pas te poser la question. C'est où ton chez toi? La maison de Yunobo. C'est une bonne question, c'est ça? On s'entraîne du côté au nord du. Ah ouais, non, ce sont les frères de fer ou je ne sais quoi. C'est pas ça. Ça serait pas la maison du chef du village, peut-être? Ça, c'est un magasin de vêtements. Ou d'armure, plutôt. Yunobo, où est passée ta maison? Je suis confus. On va chercher, de toute façon. Peut-être celle qui est juste en bas, là. Non, il y a quelqu'un chez toi, là. Il y a deux personnes. Ah, mais c'est les deux frères qui se sont retrouvés. Celui qu'on avait sauvé en lui donnant un gros morceau de viande de pierre. Alors, il n'y a rien là-haut. Bon, c'est peut-être la maison du chef. Ça, c'est la maison du forgeron. Je doute que ce soit chez Yunobo. Et il y a une maison au bout, là-haut. Peut-être que c'est celle-là. On va parler au chef en attendant. Si tôt le matin est déjà si chaud. Qu'est-ce que tu veux? Parle-moi de Darouk. Que je te parle du grand Darouk? C'est drôle, un bar de piaf est venu demander la même chose il n'y a pas longtemps. Je lui ai raconté pas mal de trucs. Sur la brise-montagne, par exemple, l'arme fétiche du Grand Darouk, une arme très puissante et bougrement lourde. Tu vois la vallée au pied des falaises de Wagoro, au sud-ouest du tunnel de Marpo? Je crois. C'est le Grand Darouk qui l'a creusé en une nuit avec sa brise-montagne. Pourquoi? Bah, à ton avis, pour faciliter le ramassage des gigots de caillasse, pardi. Il y a une autre histoire que j'ai racontée au Piaf qui a l'air de bien lui plaire. Mais moi, je préfère celle qui montre le Grand Darouk comme le Goron héroïque et aventureux qu'il était. Non, c'est tout. Encore une chaude journée. Bon, peut-être que c'est dans la maison du chef. Non, ça c'est son lit. Ça c'est son trône. Bon, ça devrait être la maison là-haut. Très certainement celle-ci.
Ah, c'est ça? C'est un livre. Ouais, c'est un livre de pierre. C'est assez étonnant. J'ai jamais vraiment regardé le livre de cette manière, mais est-ce que c'est des pages qu'il a ou c'est des plaques de métal sur lesquelles il grave? C'est pas évident. Et il y a le symbole des Gorons dessus. C'est assez détaillé. Je pensais pas que ça allait être aussi détaillé. Allez, le journal de Darok. C'est décidé. Je commence à écrire un journal. Ça a pas l'air compliqué. Faut juste raconter les trucs qui se passent. Bon, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose au village, mais il y a quand même quelques événements d'importance. Par exemple, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais bien raconter pour aujourd'hui? Ah, je sais, j'ai mangé un de ces gigots de caillasses ramassés tout en haut de la montagne de la mort. Un vrai régal. J'ai discuté avec un Illien au pied de la montagne. Il parle tous que du fléau Ganon ces temps-ci. C'est comme ces Sheikas qui étaient venus creuser la montagne pour déterrer une créature divine, qu'il disait. D'après Lilien, ce serait une espèce de machine de guerre qu'on peut diriger comme on veut. C'est peut-être vrai, mais en attendant, un truc en pierre qui se mange pas, c'est tout de suite moins intéressant. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça va finir par me faire perdre le fil, ces histoires? Au menu de ce soir, donc, gigot de caillasse fin. Il y a de l'appétit, j'apprécie ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré un drôle de petit bonhomme en allant ramasser 2-3 rochers au sommet pour le goûter. Il était entouré de monstres quand je l'ai aperçu. Le temps que je me précipite à son secours, il les avait mis en fuite. Il était pourtant pas bien gros ce petit gars, j'en avais de la peine pour lui, mais fallait le voir manier l'épée. J'étais tellement ébahi qu'un monstre a réussi à me tomber dessus par derrière, et le gamin a dû lui régler son compte. Je devais pas avoir l'air très malin à le fixer sans rien dire comme un crétin, mais quel talent, j'en revenais pas. Le petit gaïlien s'appelle Link, il mange tout ce qui lui tombe sous la main, fruits, légumes, êtres vivants. Il a bon appétit ce gamin, mais il serait temps que quelqu'un lui éduque un peu le palais. Il aime bien faire cuire ses aliments avant de les manger, alors je lui ai offert un sublime gigot de caillasse encore fumant. Quand je lui ai demandé ce qu'il en avait pensé, il a dit qu'il n'en avait fait qu'une bouchée. C'est vraiment un bon petit. Non seulement on a les mêmes goûts, mais en plus il est incroyablement fort lui aussi. Il dit que quand il se concentrera vraiment à fond, il a l'impression que le temps ralentit. Faut le faire quand même. Un allié fiable en combat qui soit de bonne compagnie autour d'une table, ça court pas les rues ça. C'est décidé, à partir d'aujourd'hui, le petit gars et moi, on est partenaires pour la vie. La princesse d'Hyrule est venue au village pour savoir si je voulais bien piloter la créature divine. J'ai dit oui, bien sûr. Je veux pas tourner le dos à quelqu'un qui me demande de l'aide. La princesse avait l'air contente. Il y aura 4 autres pilotes en tout. Un par créature divine et un chevalier qui devra régler son compte à Ganon. On sera donc 6 en tout avec la princesse et il y aura un peu de tous les âges et de toutes les races. Ça va faire de l'animation autour de la table tout ça. Vivement notre premier banquet. Bien sûr, je n'oublie pas mes manières. J'ai offert à la princesse un gigot de caillasse divin, rocailleux à souhait. J'ai bien vu à sa réaction qu'elle ne s'y attendait pas du tout, mais la surprise passée, elle m'a remercié avec chaleur. Et voilà, je suis un prodige maintenant. C'était vraiment une belle journée. Ça faisait un moment que j'avais pas vu Link. Ça me fait plaisir de le retrouver pour la cérémonie. Ah, et c'est bien lui qui va être le chevalier servant de la princesse. Apparemment, une de ces machines antiques qu'ils essaient de contrôler s'est mise à tirer sur tout le monde. Mais mon petit gars a pas perdu la tête. Il a ramassé un couvercle de marmite qui traînait et lui a renvoyé son rayon. Faut croire qu'il a mis en... Il en a mis en plein dans le mille, parce que la machine infernale s'est écroulée sans demander son reste. Et comme le roi a assisté à la scène, il a dû se dire qu'il trouverait pas mieux pour assurer la protection de la princesse. Ça, je veux bien le croire, c'est vraiment le petit gars de la situation. C'est donc moi qui vais piloter Rudania. À vrai dire, c'est pas aussi facile que ce que je pensais, pourtant les 3 autres s'en sortent pas trop mal. Quand j'ai demandé conseil à Link, il s'est contenté de me faire rentrer dans la créature avec interdiction d'en sortir. Curieuse méthode quand même. N'empêche qu'au fil des jours, j'ai fini par sentir comme un lien avec Rudania. À partir de là, c'était plus si compliqué. Comme quoi, rien ne vaut de se faire ses propres expériences. J'imagine que pour devenir fort comme il est, le petit gars aussi a dû se mettre sérieusement au boulot un jour. Il m'a vraiment aidé, c'est sûr. Il a bien mérité mon suprême de caillasse sauce granit sur son lit de jeune caillou. Vache. Le petit gars passe beaucoup de temps avec la princesse ces temps-ci pendant qu'elle étudie les reliques. C'est pas de tout repos, c'est sûr, mais au moins la princesse a l'air plus détendue, ça fait plaisir à voir. Il m'a dit qu'il lui avait un peu parlé de ses soucis pendant leur pique-nique l'autre jour. La princesse lui a répondu qu'en fin de compte, ils étaient pas si différents tous les deux. La pauvre, j'imagine qu'après mon cadeau de l'autre jour, elle doit aussi en avoir assez de manger n'importe quoi. En parlant de manger, je crois qu'il va falloir que je me discipline un peu si je veux continuer ce journal. C'est vrai, c'est à peine si je parle de mes repas ces temps-ci, j'étais pourtant bien parti au début. Eh ben, autant dire, c'est quelque chose de lire le journal de Darok, ça c'est clair. Il a un appétit coriace ce mec. Mais bon, c'est tout à son honneur.
Du coup, maintenant qu'on en a appris un petit peu plus sur notre cher ami Daruk, on va se diriger du coup vers la première épreuve, ça va être celle au sommet du volcan, tiens. Donc allons voir Varudania d'un peu plus près. Alors, arrivé d'ici, la première épreuve est directement visible si on regarde dans le bon sens. Et effectivement, comme les deux autres épreuves avant elle, on a encore des anneaux à traverser. Ça a l'air d'être un petit peu le thème d'une épreuve sur trois à chaque fois. Oh là, ok, donc je m'en attendais pas à ça. Ben, ça tombe bien que j'ai la rage de Revali. Heureusement, il laisse suffisamment de temps pour atteindre ses anneaux. On en a un au-dessus. Celui-là, il disparaît un peu plus vite par contre. Mais ça va, tant que vous atteignez à chaque fois les anneaux dans le temps imparti, c'est pas grave si vous prenez plus ou moins de temps. Ça, c'était un anneau à l'horizontale. Ok. On va devoir descendre tranquillement le long du volcan. Pas trop vite. On va conserver notre endurance en ne pas restant avec notre paravoile. On passe sous les rochers. Et le dernier, ok, surtout ne pas lâcher la paravoile pour ce dernier là. Faudrait pas qu'on arrive, qu'on se retrouve trop bas. Hop là. Et le sanctuaire devrait se trouver juste en face. Facile. Première épreuve, très facile. Les deux autres ne devraient pas être trop compliqués non plus, vous verrez bien. Par contre, je ne pourrais pas forcément en dire des sanctuaires, je me souviens pas des sanctuaires. Pour être honnête, je les ai fait qu'une seule fois chacun. Puisque j'ai fait la quête de l'eau d'Oprodie, je l'ai fait qu'une seule fois sur ma partie normale. Il y a de ça quelques mois, le sanctuaire de Shadowlon. Du coup, je me souviens pas trop bien de ce qui se trouve à l'intérieur de chacun de ces sanctuaires. Alors, dans l'angle mort, le sanctuaire de Shadowlon, on va immédiatement foncer et s'accrocher à ce bloc. Quoique, bon, il y en a suffisamment qui se distribuent à droite à gauche. Ok, donc, le but ici, ça va être effectivement de ne pas se faire toucher par les flammes en s'agrippant au bon côté du bloc. Côté opposé au jet de flammes en soi. Comme ça, on est protégé. Ou alors, si vous avez l'armure de Goron comme moi améliorée, vous pouvez tout simplement rester sur le bloc tranquillement parce que vous êtes immunisé aux flammes et vous ne prendrez donc pas de dégâts du tout. Bon là, il faut être au sommet, j'ai l'impression. Ouais, pas de soucis. Et on arrive au bout. Ensuite. Alors, je vais peut-être activer mon Radarakov parce que je sais pas où il se trouve celui-là. Je crois qu'il va être un petit peu plus loin dans le sanctuaire, mais on verra bien. Là, l'armure Goron, elle va pas me protéger des pics, par contre. Donc, on va garder un œil, évidemment, pour le coffre du sanctuaire. Tiens donc. J'ai pas de flèche. Arc du faucon. Voilà. Oh là. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. J'ai un petit peu... J'ai utilisé des flèches explosives pour pas grand chose finalement, mais bon. Si on continue par là... Non, les blocs ils finissent par tomber dans le vide. Vous voyez, le rail il avance, il arrive jusqu'au bout. Et là, ça se décroche. Plouh ! Ok, donc on a un coffre dans ce sens là. Je pense pas qu'on l'ait loupé, c'est très bien. On va se mettre là. Et on va suivre tranquillement, comme d'habitude, le chemin. Évidemment, le radar arrête pas de sonner parce qu'on se dirige vers le coffre. Je crois qu'il va être là-bas. Ah oui, effectivement, c'est un petit peu bizarre comme coffre, mais... Peut-être comme ça. Très bien. Je vais sûrement en mettre comme ça. On a le coffre donc ici. Qui faisait que de tomber. Une longue épée des flammes. Je crois que j'ai de la place, oui. Et vous savez quoi, plutôt que... Normalement, vous êtes censé atteindre les plateformes au-dessus et sauter par-dessus les flammes. Mais évidemment, mon armure de Goron me permet d'être immunisé contre ça. On a le tampon du coffre pour le sanctuaire, c'est parfait. On n'a plus qu'à attendre d'arriver à la fin. Et c'est assez étonnant qu'il nous demande d'utiliser Kravenis dans une épreuve de feu. Mais bon,
On verra bien ce que ça donne pour les prochains sanctuaires. On va placer un bloc. Oula. Ah bah voilà, bravo. Link a mal sauté, il a pas pris d'élan et il est tombé comme une nouille. Et je vais devoir recommencer ce passage-là. Oh zut. Voilà, maintenant qu'on est là, on est tranquille. Si Link veut bien grimper. On n'a plus qu'à ne pas se faire pousser bêtement par les... par les piliers de Cryonis. Et on monte l'escalier tranquillement. Eh ben, je vous parle, je vous raconte pas les fails, quoi. C'est n'importe quoi. Allez, zou, notre premier emblème de Varudania. Yep. Il nous en faut, encore une fois, 3. Pour la prochaine épreuve, du coup, on arrive à notre deuxième balise qui se trouve un peu plus au nord. Et si on voit un petit peu notre quête annexe, il nous dit... Alors, le chemin des anneaux du cratère, on l'a fait. Fouler la lave, découvre la manière, on l'a pas encore. Et du brûlant colosse, affronter la colère. Donc on a effectivement un brûlant colosse à trouver. Et il est juste là. Hop là. Sauf que celui-là, il est un petit peu spécial. Il est énorme. Et il est plus qu'énorme, c'est un nouvel ennemi, c'est le Méga Magrok. Alors pensez bien à le prendre en photo parce qu'effectivement, c'est un ennemi unique à cette épreuve que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Olé. Et du coup, il va falloir l'affronter. Heureusement, il y a des cons ascendants qui se mettent au-dessus de lui, qui vous permettent de l'atteindre, parce que sinon, vous allez avoir un petit souci pour toucher son point faible. Ah bon, ça devrait aller. Voilà. Encore un petit coup. Ouais, je devrais pouvoir le tuer comme ça. Ça y est. Facile. On va éviter de rester dans la, au-dessus de la lave quand même, juste au cas où. Impeccable. Bon, j'ai utilisé un petit peu ma colère d'Urbosa, malheureusement, que j'aurais bien aimé garder pour le boss de fin, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on l'a tué rapidement, facilement. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Et du coup, on a notre nouveau sanctuaire. Le sanctuaire de Kamira Omuna. Alors, c'est reparti, on retourne dedans. Alors, question de trajectoire. D'accord, ça va demander... Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on faisait aussi au volcan d'Ordine, notamment avec un certain Goron? On jouait à la catapulte. Et donc il va falloir utiliser des bombes, encore une fois. Alors. On met donc une bombe en bas. On appuie là. On le time correctement. Et hop là. Voilà. Il y a un autre bouton là-bas. La bouboule réapparaît comme par magie dans son canon. Ah, d'accord. On va donc stopper la barrière. Ou plutôt la plateforme pour qu'elle reste à cet endroit-là. Ou quoi que je peux juste la... Ouais, là, elle est trop bas. Voilà. Bon, en fait, c'est juste une question de timing. Parce que en utilisant Cinetti sur la plateforme, j'ai l'impression que j'avais complètement bloqué la plateforme, mais aussi le bouton. Que du coup, la balle, elle avait tapé dessus, mais le bouton était piégé dans le temps et il pouvait pas, du coup... Il pouvait pas s'activer. Alors... oui, on a ça aussi. Je me demande si ça fonctionnera. Est-ce que pour atteindre ce coffre, il faut utiliser une catapulte un peu plus loin? J'ai pas l'impression.
Elle est sur quoi là, le coffre? Il est sur une plateforme de bois. Je sais pas trop ce qui se passe, mais à la limite, une flèche explosive devrait faire l'affaire en fait, on va pas s'embêter plus que ça. Non, un peu plus haut. Voilà. Mon avis, il fallait faire ça d'une autre manière, mais honnêtement, c'est pas un souci. Il me faut donc Polaris, récupérer le coffre. Et voilà. Un diamant brut, parfait. Il y a l'air d'y avoir. Non, c'était le seul coffre comme d'habitude. Un coffre par sanctuaire, c'est très bien. Je suis content qu'ils aient pas décidé pour un sanctuaire sur les 9 ou 12 ou je ne sais combien de mettre deux coffres au lieu d'un. Ça serait un peu abusé de leur part. La fin du sanctuaire est juste après celui-là. Et du coup, on a une dernière épreuve ici, un peu plus différente, j'ai l'impression. Ah oui. Elle est différente, effectivement. Alors, encore une fois, on a un canon qu'il va falloir activer. Mais cette fois, on a une épreuve de gyroscope à faire. Alors, j'ai enlevé mon stylet avant qu'il ne tombe. Alors, du coup, qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne, ça. Si je le mets comme ça, ça risque d'être trop bas. Je pense que ça va être trop bas. J'ai pas regardé à quelle hauteur ça passait. Non, la bombombe, tu vas dans ton trou-trou, voilà. Tu vas faire boum boum après, d'accord? Ouais, c'est carrément trop haut là. Et elle reste dans son coin. Oups, non, ça y est, elle réapparaît. Et bah dans ce cas-là, on fait ça. Non, non, non. Remonte, remonte un peu. Comme ça, voilà. Comme ça, il y a moyen que ça marche. Et tu passes là-dedans. Et bah voilà, bim, dans le mille. Sauf que là, on a un petit souci. Hé, c'est pas fini. On a un bouton qui se trouve derrière cette énorme structure. Alors comment on va réussir à l'atteindre? C'est ça tout le problème. Bah il faut trouver un moyen de faire un trou dans le dans la structure. De trouver une faille plutôt. Oh là là, ma manette de Wii U est pas faite pour ça du tout. Hop. Voilà, comme ça a l'air pas mal. C'est un joli trou, j'espère que ça va fonctionner. On verra bien. Ça n'a pas l'air très bien. Ça risque de se taper dans le. Oh, je l'ai eu! Du bord, je l'ai eu du bord. C'était un magnifique snipe. Bon, je suis sûr que vous pouvez faire mieux pour le mettre. Pour faire un trou dans la structure, mais tant pis. Moi, je me contente de ça, ça me va très bien. On est reparti. Et on se récupère notre deuxième emblème. Finalement, je me rends compte que prendre Link Loop pour le volcan d'Ordain, c'était pas forcément la meilleure des idées, parce que tout ce qu'on fait, c'est planer en paravoile, et il a aucun moyen de nous accompagner, ce pauvre petit canin. Du coup, on se retrouve à l'emplacement de la dernière épreuve, et elle nous pose un petit souci, cette épreuve. Comme nous dit la chanson de Darouk, il faut de fouler la lave, découvre la manière. Il faut qu'on trouve un moyen de marcher sur la lave, parce qu'effectivement on a le, il y a juste, c'est juste un anneau, hein. C'est l'anneau final. Si on arrive à le toucher, on active le sanctuaire. Mais pour ça, eh ben, on peut pas juste le toucher d'ici et tomber dans la lave. Ça ne marche pas, évidemment, ça serait trop facile. On se retrouve là et l'anneau est de retour. Bon. Et bah en soi, il va falloir chercher un petit peu autour de nous. Notamment avec Polaris. On a un bloc ici. On a même un autre bloc là. Est-ce qu'on en a un troisième quelque part? J'ai pas l'impression. Ah! Oh! Mais tiens, bonjour les amis. Ok. Je vais peut-être aller vous voir d'abord.
cool. Ok, d'abord par ici. On va prendre une flèche de glace pour s'occuper du méchant. Voilà. On va balancer la boboite un peu plus loin. Parce qu'on va en avoir besoin de celle-là. Voilà. T'as qu'à rester là. Et je crois que c'est tout. Peut-être même que je pourrais prendre une boboite avec moi. Si j'arrive à l'atteindre. Hop. On va l'emmener avec les gorons là-haut. Parce que peut-être depuis le précipice, on va pouvoir le laisser tomber au niveau de l'anneau. On verra bien. Déjà, je pense que ces fameux gorons vont nous en apprendre plus sur cette épreuve. Ce sont les frères qui avaient déjà... Daruk le Grand était... J'ai pas vu ce qu'ils ont marqué, ce qu'ils ont dit. Tant pis. Bonjour les amis, Bagodet. Gloire aux muscles! Ah, j'adore ça. J'adore ça. Bienvenue au quatrième frère, celui qui a réussi l'épreuve d'endurance et l'épreuve de la paroi de fer. Le prodige Daruk n'a pas choisi cet endroit par hasard. Et le meilleur moyen de le comprendre, c'est de nous atteler à l'exercice, nous aussi. Prêts, mes frères de fer? Je suis certain que c'est en s'entraînant ici que le grand Daruk a pu devenir fort comme il était. Quant à moi, j'ai bien intention de suivre son exemple. Les frères de fer ne reculent jamais devant la difficulté, pas même la plus extrême. C'est chaud! Voyez tous le cercle qui brille sur le lac de lave? C'est ça l'objectif. On commence par s'en approcher. Et on marche sur la lave! Je suis de partout. C'est quand même un peu extrême. Les gorons ne peuvent pas se tenir sur la lave, si. Je me demande si c'est vrai que le grand Daruk a réussi. En fait, c'est pas étonnant que le grand Daruk ait choisi cet endroit. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un exercice à la portée de tout le monde. Il va nous falloir une stratégie en béton. Bon, ils ont l'air très motivés de le faire en tout cas, ou de jouer à pierre-feuille-ciseaux. Donc c'est pas grave, nous on va s'occuper. On va essayer de balancer. Eh, c'est pas loin honnêtement. Peut-être qu'en allant au niveau de la lave ici. Ok, tout doucement. Oui, ça pique un peu, hein. Mets pas les pieds dans la lave, Link. Ah, je peux pas l'atteindre. Zut, ok. Rage de Revali. On va se mettre là. Hop. On va te déposer ici. Voilà. Bon, peut-être que c'était ça qu'il fallait faire à la place. What? J'ai sauté. Non mais oh. Bon. Oui bon, c'est vrai que ça pique un petit peu les pieds. Mais voilà. Ça fait un petit peu mal aux pieds d'avoir les pieds dans la lave, mais ça ne me tue pas. Et ça, c'est tout ce qu'il nous a fallu pour faire apparaître ce fameux sanctuaire. Donc effectivement, on marche quand même sur la lave. Hein. On triche pas tant que ça. Hein. On fait juste en sorte que ce soit de la lave très peu profonde. Ce qui nous permet de marcher dessus. Mais ça nous fait quand même pas mal de dégâts. Bon. Et vous avez quelque chose à dire, les amis? Il est où le sanctuaire? Ah, il est là-haut. Je suis de partout. Plus de cercles qui brillent, plus d'exercices atroces, pas vrai? Enfin, une bonne nouvelle. Gloire aux muscles! Quoi, qu'est-ce que c'est? Je me retourne une seconde et le cercle qui brille en profite pour disparaître? Mais je n'ai même pas eu le temps de m'en approcher. Eh non. C'est chaud! Si le cercle qui brille a disparu, ça veut dire que quelqu'un a réussi à se tenir dessus? Impossible! Par nous et le prodige, personne n'avait la moindre chance de réussir. Eh ben si, un autre prodige. Allez Zou, on escalade et on s'occupe de cette dernière épreuve au sanctuaire de Rhino Himika. Je régénérerai ma vie un peu plus tard, je pense. Quoique à la fin du sanctuaire, ça le fera. Donc impeccable. Parer les flammes. Ah bah voilà enfin une épreuve qui soit bien autour du thème de la lave et du feu. Alors bon, évidemment, on peut un petit peu tout casser en ayant l'armure Goron.
Donc pour cette épreuve, je vais quand même enlever mon casque. Voilà. Comme ça, ça me permet, comme vous pouvez le voir, de ne plus résister aux flammes et de faire le sanctuaire comme il faut. De manière un peu plus conventionnelle. Alors, on passe en dessous. Ou pas. J'ai dit, on passe en dessous. Oui, bon, ça brûle un petit peu, mais tu vas t'en sortir, Link, c'est pas grave. On a donc, comme d'habitude, un coffre ici. Et on a un petit souci, c'est que les flammes sont trop hautes. Ok, c'est bon, t'es pas obligé de m'expulser de la plateforme, je peux me montrer tout seul. Donc, heureusement, on a certaines manières de passer outre, voilà. Faire tomber la colonne, par exemple, ce qui nous permet de passer tranquille. Ici, même chose. On peut utiliser Polaris pour récupérer ce bloc. Et s'en servir autre part, j'imagine. Bah là, par exemple, pour se protéger des flammes. Voilà, on passe tranquillement. On va le mettre là-bas aussi. Ok, t'as qu'à te baigner dans la lave, c'est pas un souci. Quelque chose que j'aurais loupé? Non. Ça a l'air pas mal. Ok, donc ici, on a tout un tas de flammes. C'est un petit peu problématique, même sur les côtés. Alors, je me demande si je peux pas le mettre dans ce sens-là. Si je peux le bloquer comme ça. Non, ça tombe. Hein. C'est bien ce que je pensais. Comme ça, ça bloque. Et après, peut-être... avec un bloc bien placé ici, on peut faire un saut et ne pas réussir. Aïe! Bah écoute. Hey, ça passe. Je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on est censé faire. Je pense que, à mon avis. Si, je sais comment on fait en fait. Je viens de me rendre compte de la solution à la fin quoi. Mets un bloc ici. Puis un autre bloc au-dessus. Oui, mais non, mais. Ah, vire pas l'autre. Je veux mettre les deux blocs l'un sur l'autre. Laisse-moi mettre les deux blocs l'un sur l'autre sans les virer. Voilà. Et mets bien l'un sur l'autre. Voilà, en pile. Ensuite, on fait cinétis sur l'un. On bouge l'autre et on passe tranquillement, voilà. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Alors, du coup, on va pouvoir poser les blocs de métal ici. Qu'on se fasse un pont. Qu'on puisse atteindre l'autre côté. Ça nous permet d'atteindre le coffre et ça, c'est la suite du sanctuaire, c'est parfait. Hop là. Donne-moi cette récompense, qui devrait être la dernière, ou la seule. Un brise-roc avec durabilité maximale. Bah, ça va me permettre de balancer celui-là. Voilà. Ça pourrait être ma pioche de mineur, j'imagine, ça. Durabilité maximale, ouais, merci, ça me permettra. Je vais mettre la longue épée de glace à la place. Alors. On va faire en sorte d'avoir une plateforme qui nous permet de remonter quand même. Voilà. Je pense pas qu'on ait besoin des blocs pour la suite. On a rien ici. On a le tampon de coffre pour le sanctuaire, c'est parfait. Alors, oh oh. On a encore un truc de gyroscope apparemment. Ah oui. Ça va bouger la plateforme au milieu. Qui est un petit peu étrange. J'ai perdu mon stylet encore une fois, ça ne m'étonne pas. Et normalement, on est censé le mettre comme ça. Voilà. Il y a effectivement une forme spécifique qui vous permet de bloquer tous les lance-flammes et de vous faire un pont pour arriver en sécurité. Allez-y, on récupère notre dernier emblème de
Rodania. Du coup, on se retrouve auprès de Varudania. Comme d'habitude, on se rapproche de la créature pour pouvoir affronter le boss. Toi qui te tiens devant la créature divine, au nom de la déesse Ilia, je te soumets à cette épreuve. Les emblèmes de Rudania que tu apportes vont te permettre d'arpenter tes propres souvenirs. Si ta détermination faiblit, cette épreuve te sera fatale. Le monde de l'illusion ne doit pas être pris à la légère. Bring it. Je suis prêt. Allez Zou, on se fait donc l'ombre de feu de Ganon, voyons un peu ce qu'on a sur nous. Des ingrédients déjà grillés, ce qui nous donnera quelques cœurs supplémentaires, pourquoi pas. Une armure de pierre non améliorée, donc très peu d'armure, hein. Faites bien attention, vous risquez de prendre de gros coups. Pas de bouclier pour vous protéger. Un arc du chevalier avec seulement 5 flèches de glace. Et le plus important, le brise-montagne, c'est l'arme de Daruk. C'est avec celle-là que vous allez faire la majorité de vos dégâts. Alors du coup, on va s'occuper de ne pas se faire toucher déjà. Voilà. Rien qu'un bon petit tourbillon pour le faire passer en phase 2. Facile, rapide. Alors n'oubliez pas aussi, pour se débarrasser de son bouclier, attendez qu'il aspire... un énorme vortex autour de lui et lancez-lui une bombe dessus pour exploser son bouclier. Voilà, comme ça. Et du coup, une bonne colère d'Urbosa devrait lui faire pas mal de dégâts. Il est presque mort. Je pense que les flèches de glace suffiront à l'éliminer. Et voilà. Tué en un temps record. De loin le plus simple de tous. Ça, c'est clair. Allons, je vois que nous cheminons de concert. Bien que, de mon côté, j'emprunte la voie des airs. En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue, écrire un nouveau chant. Sur le prodige d'Arouk, mon maître a fait le sien. À mon tour d'apporter de l'eau à son moulin. Et quel meilleur moyen de bien saisir une âme que d'errer en un lieu où a brillé sa flamme. Voici, si tu veux bien, la chanson de Daruk. En ce temps, celui qui, Rodania, piloterait... du titre de prodige n'était pas décoré. Il s'appelait Daruk, le colosse au cœur fier, qui reçut un beau jour la visite princière. Pas de problème, j'accepte avec joie. Daruk l'intrépide n'est pas du genre à se défiler. Si vous dites qu'Irul a besoin de moi, je serai là pour répondre à l'appel. Merci beaucoup, Daruk. Je sais pas si ça a un rapport avec le fléau, mais ce qui est sûr, c'est que ça grouille de monstres par ici. Si j'étais vous, princesse, j'emmènerais une escorte plus impressionnante quand je m'aventure hors de l'enceinte du château. Oui, c'est prévu. Mon père a l'intention de me choisir un chevalier servant. Il devrait se décider bientôt. Il va certainement recruter le plus grand épéiste d'Irul. Ah ? Bah alors, ça doit être... Hein ?
C'est quoi, ça? Qu'est-ce que je disais? Il y en a de plus en plus. Hein? Me dites pas qu'ils s'en prennent à quelqu'un. Il ferait beau voir. Bougez pas de là, princesse. Regardez-les déguerpir. Ça, quand on se retrouve en face du grand Darouk, y'a pas à réfléchir. Vaut mieux décamper en vitesse. Oh. Viens là. Pauvre bête, c'est après lui que ces monstres en avaient. Heureusement, il n'est pas blessé. Oh. Désolé de m'être donné en spectacle. Ça m'a rappelé quand j'étais gamin, on m'appelait encore Darubo. Ces bestioles passaient leur temps à me pourchasser. Aujourd'hui encore, je tremble comme une feuille dès que j'en croise une. C'est drôle, je n'aurais jamais cru que quoi que ce soit puisse te faire peur, Darouk. Dites-moi, princesse. Oui? Le fléau Ganon, c'est pas... C'est pas un monstre en forme de chien, au moins. Ce valeureux prodige qui riait du danger, au frisson de la peur, n'était pas étranger. Ainsi s'achève mon chant, je prie pour qu'il t'ait plu. Prodige et vulnérable, qui l'aurait jamais cru? Écrire sur le prodige et chanter son histoire, mon maître serait fier, je te prie de le croire. J'ignore encore le tour que prendront mes efforts, mais cette idée déjà m'apporte un réconfort. J'étais sûr que tu y arriverais, petit gars. Et maintenant, tu vas pouvoir utiliser le bouclier de Darouk encore plus souvent. Quand tu verras cette crapule de Ganon, faudra lui transmettre un message de ma part. Une bonne torgnole sur le groin. Je suis d'accord, Darouk. On obtient donc le bouclier de Darouk amélioré, qui se recharge lui aussi désormais plus vite. Et hop, une autre quête de terminée. Ça s'enchaîne, une par épisode. On a un bon rythme, honnêtement. Hein. Celui-là est un petit peu plus court que les autres, j'ai l'impression. En tout cas, à vue d'œil. Donc, ça vous dirait qu'on fasse un petit montage. Hein, histoire de chasser encore plus de Korogu et de montrer ce que je n'ai pas encore... Enfin, que j'ai techniquement déjà. Bref. Un montage? Ouais. Ça sera plus simple, le montage. Du coup, appréciez ça, et je vous dis à la prochaine pour la quatrième et dernière partie de cette énorme quête de l'Odo Prodige, dans laquelle on va se diriger évidemment vers le désert Gerudo, pour affronter les épreuves d'Urbosa. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Salut!